Bonjour à tous, on se retrouve pour le second jour des À Côté du Prime de samedi dernier qui a vu Yopougon et Abobo s'affronter dans une grande ambiance. Une fois de plus, les participants ont fait prévaloir l'esprit fair play. Début des épreuves, la course au point était donc lancée. Chacune des équipes se battait pour surclasser l'autre. Mais il y avait toujours des difficultés pour freiner leurs ardeurs. Un point pour Yopougon. Un point pour Abobo. Un point pour Yopougon. La course des bulles, la finale. 3, 2, 1, go! Encore une autre course opposant la commune d'Abobo à celle de Yopougon. Le même principe. Cette fois-ci, ce sont des garçons qui reprennent la course. Celui d'Abobo est devant. Le candidat d'Abobo à l'heure. Voilà. Bienvenue, wow. Bienvenue sur la tournette. J'ai trop envie de parler, on dirait. Non, voilà. Bienvenue également. Oh là là. Ah, au moins il se maintient. C'est pas évident. Au moins il. Ah, si, si, voilà. Si. Ça commence bien. Bien sûr. Bon, voilà. C'est bon, là, il y est. Terminé! Comment avez-vous trouvé l'épreuve? Bon, l'épreuve. Vous voyez que c'est difficile, mais ça va aller. On a perdu le premier épreuve, ça va aller. On va gagner. On dit toujours, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. Je vous en prie, cher ami. Et toi, comment tu as trouvé cette épreuve? Il faut dire, l'épreuve n'est pas du tout facile avec les bulles là, ça donne vraiment le vertige. Mais il faut agir avec les coudes. Et puis bon, ça ira. Et puis le courage aussi. Il faut ajouter que c'est pas facile, mais nous sommes des dieux, on est habitués à ce genre de compétition. Parce que Abobo, c'est du grand. Quand on dit Abobo, tout le monde connaît dans la Côte d'Ivoire. Donc on n'est pas venu pour jouer, on est venu pour Abobo, ça m'amuse pas. Service militaire. Abobo ou rien. Parce que dans le nouveau monde, vous avez besoin de parler à vos proches de diverses manières grâce au forfait jour. En fonction de vos besoins, avec le forfait moins intense. Et selon les circonstances, avec le forfait moins zen. MTN vous offre MTN Smart avec ses forfaits tout compris. Communiquez comme vous le sentez et en toute sérénité. MTN, everywhere you go. Basket en folie. C'est ça? La folie du basket. La folie du basket. C'est la même chose. Ici, on s'apprêtait pour une autre épreuve. Aucun participant ne semblait intimidé par la taille des accoutrements. L'épreuve pouvait démarrer. On est prêt pour la folie du basket. 3 passages par candidat. Vous connaissez le principe? Oh là là! Troisième lancé pour Abobo. Déjà 2 candidats. Le troisième. Panier. Ok. Je note que le candidat de Pouvoir. Panier réussi. Terminé pour Abobo. C'est pas d'abord. Comment ça a été? Ça a été vraiment difficile. Mais on a pu mettre deux ballons dans le panier. Donc c'est plus ou moins bon. Vu qu'on est déguisé en des ventripotents, il faut dire que vraiment ça a été beaucoup difficile d'y arriver jusqu'au bout, mais ouais. on a essayé de faire de notre mieux quoi. Et on suppose que ça ira. Pour la suite, on pense qu'Avo va gagner. Avo ouais. Gagnera. C'est le début du commencement. Donc à la suite, on va voir le reste. On l'espère. La folie du basket, deuxième manche avec Yopougon. 3, 2, 1, go! Et c'est parti autour des candidats de Yopougon. Manier aussi. Go. Manier aussi. Tombé à la renverse. Candidat suivant. Manier aussi. Non, nous on est des jusqu'au boutistes. Neuvième lancé. Je te dis, regarde ce mec, il a des pompes de foot.
Oh là là, ça craint, il va tirer. Ah, je pensais qu'il y arriverait, mais malheureusement. La folie du basket pour Yopougon, c'est terminé. Dis-toi, comment ça a été? Ouais, c'était bon, ce que je suis en espéré. Au bout de l'effort du miel, quoi. Après c'est passé, on va prendre la victoire. Si, à Bobo. Merci. Ouais, bien. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, pour d'autres coulisses de Abobo Yopougon. Bye.